Coucou les cupcakes, je vous reprends dès le vendredi 10 mai, il est 9h20, tout comme ça. Waouh, je me suis levée à 8h40. Les garçons ont déjà pris leur petit déjeuner. Là, j'ai remis ma machine à tourner parce que j'ai zappé hier soir, j'avais la flemme. Oh là, un petit bouton sur le nez. Oh non. Bref, aujourd'hui, du coup, on est le 10 mai, c'est l'anniversaire de mon tonton, on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Sachez que la semaine prochaine, tous les jours, je pourrais dire c'est l'anniversaire de quelqu'un et que c'était une journée, ce sera un anniversaire toute la semaine. Ah oui, il y a le courrier. Du coup, désolée, j'ai été interrompue par la factrice qui avait un colis. Et comme la sonnette ne fonctionne pas d'habitude, là, c'est ce que Paul en a eu une petite temporaire. Elle a juste penché la tête pour dire « Il y a quelqu'un! C'est la factrice !» Parce que comme d'habitude, c'est ouvert le portillon aussi. Et qu'on regarde là, il y a les chiens. Bref, ces facteurs-là sont trop mignons. On a été chercher nos petites aides alimentaires. Et là, vraiment, on peut dire petite aide alimentaire parce que vraiment, cette semaine, il n'y avait pas grand chose non plus. Je me sens comme un rôde dedans. Mais c'était cool, on a quand même des belles surprises, donc on vous montrer ça en rentrant. Et arrêt au Carrefour Market, il n'y avait pas de date courte, mais il y avait une promo sur les monsters. Donc, Monster Mango Loco, si. Poco Loco. Avec le soeur. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, salut. C'est encore moi. C'est encore moi. Par contre, il fait chaud, hein? Oui. Pas réinstaller, je vais réinstaller un petit verre de protection, ce serait pas mal. On a bien mangé ce midi, c'était trop bon là, le faux poisson pané, bon, sort du vrai poisson pané, riz haricots, la duo de haricots. J'adore ce repas, c'est un repas classique mais c'est tellement bon. Et là du coup j'ai avec le Ninik, je vais mettre le petit verre de protection sur mon écran et ensuite je pense que je vais prendre ma douche maintenant. Histoire de me maquiller, de m'habiller, parce que là j'ai remis les fringues d'hier. Il me sentait un peu plus fraîche avant de faire du rangement et tout. Voilà. Il a la peau toute douce. Donc là, oui, il y a Nénic qui profite vraiment du soleil avec tantilette. Moi, je vais aller prendre ma douche. Voilà, j'ai mis mon nouveau carreau sur mon téléphone. Je suis contente, c'est tout beau, tout propre, c'est nickel. Et du coup, j'étais en train de grignoter des carrons sacs. Est-ce que vous aimez ça? Je trouve que c'est un bonbon ultra sous-coté. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Le réglisse, en général, les gens n'aiment pas, mais moi j'adore ça. On adore ça, c'est trop bon. Donc les 40 sacs, quelle grâce. Petit outfit, petite jupette, petite chaussette basic, petit top, petit truc. Je sais que normalement les matières vont pas ensemble, mais j'aime bien un petit maquillage un peu trop prononcé. J'aime trop. Juste ce qui est chiant, c'est qu'avec ce genre de rouge à lèvres, les dents, elles ressortent plus jaunes qu'elles ne le sont. C'est-à-dire que j'ai pas des dents très très blanches. Bon, enfin bon, j'adore ce rouge à lèvres. On aime bien évidemment un petit pchit d'eau de pute. Putain, regarde, je l'ai eu à Noël et il descend bien. Hein. Ils sont trop bons. Quelle grâce. Merci, mon sœur. Bref, mettre ma petite claquette. Merci, mon sœur. Et je vais en mission, je dois retrouver Pucci. Pour ceux qui savent pas qui est Pucci, c'est le doudou de Orphée. C'est son petit ours polaire. Il le trouve pas, donc là, on va aller chercher Pucci. Et puis après, je vais voir ce que je vais faire et où ma soeur en est avec les films qu'elle met sur les fenêtres arrière de sa voiture. Et voilà. Let's go. Bon, je suis dans la salle de bain. Je vais trier les paniettes, tout ranger et tout. Let's go. Heureux, je crois qu'il est 18h. Mon rouge à lèvres se fait la malle, je vais aller l'enlever, je pense. Je suis encore sur le maquillage, je suis en train de laver les petits tiroirs de rangement et tout. J'ai lavé les palettes, j'ai lavé les contours de chaque truc et tout. Je n'en peux plus, j'en ai jeté pas mal aussi. Je suis fatiguée, j'en ai marre. J'ai envie que tout soit sec et que je puisse ranger, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est mon ressenti à l'heure actuelle. En plus, 18h, c'est-à-dire que dans une heure on mange, ça veut dire qu'il va pas falloir que je tarde trop à faire la pâte à crêpes et tout. Mais j'ai la flemme, donc voilà. Bon. Je me suis démaquillée, du coup, bien évidemment, ça a rougi ici. J'ai déjà remis de la vaseline, j'ai pas démaquillé le haut de mon visage, mais j'ai enlevé ça, bref. Voilà, ici aux canettes, j'ai installé mon petit make-up tout là, plutôt que dans la salle de bain, vu que je me maquille tout le temps en haut. Didis, non. Putain, et du coup, ça, c'est Chloé, elle m'a offert une petite ring light pour mettre mon téléphone, en fait. Je peux aussi visser mon téléphone, tout ça. Je trouve ça trop bien. Donc, du coup, je me suis dit, là, ça fait coin make-up. Après, je pense que je continuerai à maquiller là-bas. Mais même si je veux filmer des petits... petite make-up avec la petite ring light. Avec la petite ring light, c'est super pratique.
Voilà, au moins ici, c'est rangé. Alors ça fait un peu bazar, mais quand j'aurai de nouveau mon dressing, ça sera plus épuré dans la chambre, je pourrai mieux tout réorganiser. Mais voilà, déjà je suis contente, c'est pas mal. Et du coup, sœur, ici présente, dans sa plus belle tenue comme toujours, elle organise le tas de déchetterie. Qu'est-ce que... Mais quoi? Tu reconnais pas? On dirait les yeux debout. Ah! J'en ai qu'un, mais voilà. Au fond, tu peux faire les mignons avec les... Bref, du coup, elle est en train de réorganiser le tas qui va à la déchetterie. Et les chiens, regardez, c'est trop dur la vie de chien avec elle. Du coup, avec le soleil dans la tronche, là, je vais rentrer. Il faut que je fasse la pâte à crêpes. J'ai vraiment pas envie, mais faut que je le fasse. Let's go. Du coup, soirée crêpes. Orphée, lui, c'est crêpes au sucre parce qu'il adore les crêpes sucrées. Et Thésée, lui, c'est crêpes jambon fromage mais avec du jambon veggie. Voilà. Faites par moi, bien évidemment. Regardez-moi comme ça a l'air délicieux. Quelle grâce. Et on va manger, du coup j'ai fait des crêpes, du coup j'ai fait des crêpes au fromage comme ça, miam. Moi j'en ai mis avec du faux jambon et je me fais une petite salade et sœur elle apparaît mais sans le faux jambon. Et du coup, ok, je pensais que tu avais réchauffé autre chose avec, j'entends du micro. Ah oui, des pommes noisettes, elles sont juste devant moi, pas bien. Et on regarde Masked Singer et là il y a un cornichon qui chante. Voilà, cette phrase qu'on pense jamais pouvoir dire. En fait j'aime bien ce genre d'émission nulle, avec sœur on aime bien parce qu'on... On est nul, on devine personne et tout, mais on aime bien. On avait du nez Kinvé l'année dernière avec l'éléphant. Il y a deux ans, ouais. Oh, Kinvé, en même temps, c'était fait 100 grammes. Si, une fois, j'avais reconnu, je t'avais dit, c'est le mec de taxi. On l'avait reconnu toutes les deux, c'est Emilien. En fait, on connaît pas les noms des gens des fois, donc ça n'aide pas. Mais on aime bien faire genre, ah ouais, c'est un tel. Ah, pas du tout. On aime bien. Coucou, je vous reprends. On est le samedi 11 mai. Il est 9h28, ça fait une demi-heure que je suis réveillée, du coup. J'ai enfilé mon pyjama qui se constitue toujours du coup du pantalon de ma sœur, du t-shirt de mon amoureux et de mon pilou, mine de rien. Je porte quand même quelques trucs à moi, je rigole fort parce que la culotte que je porte c'est ma sœur qui me l'a donnée, donc techniquement c'est aussi une culotte à ma sœur. Ouais, on en est là. Oui bon ça ira, hein. Du coup hier je me suis démaquillée, mais il me reste toujours des restes de maquillage, c'est un truc de dingue, surtout le blanc de la muqueuse est dur à enlever. Faut que je me rachète un bon démaquillant parce que c'est surtout que j'ai plus de bon démaquillant. Bref, ça fait plusieurs jours que je vous parle, blablabla, et je me dis putain j'ai 3 milliards de rush. Bah oui, ça fait quand même genre 2-3 jours que j'ai pas fait de montage. Donc du coup je vais aller faire ça en prenant mon petit déj pour que vous ayez un vlog ce soir. Et voilà, écoutez, je vous emmène avec moi, c'est parti pour cette nouvelle journée ensemble. Aujourd'hui il y a les chiens qui repartent, mais je crois qu'ils repartent ce soir, parce que là maman vient la récupérer que ce soir. Et voilà, il y a peut-être chat qui vient d'ailleurs vu qu'on est samedi. That's it. Bref, je vous emmène avec moi. Let's go. Heureux, je vous reprends, il est 12h50. J'ai fini le montage. Enfin, il me reste, du coup, j'ai monté que mardi, mercredi, jeudi, mais ça vous fait déjà un vlog de 35 minutes, c'est déjà bien. Comme ça, du coup, je montre vendredi avec aujourd'hui, donc samedi. On va faire le repas du midi. Ce midi, c'est nouilles et omelette, enfin nouilles et œufs, quoi. Du coup, je vais faire chauffer la bouilloire. Et je vais voir qui le veut en yum yum et qui le veut en poêlé, quoi. Je pense Orphée et moi, ça va être poêlé. Et sœur et Thésée en yum yum. Genre avec le bouillon, sans le bouillon. Parce qu'on fait comme ça tout le temps. Et je pense que je mangerai à côté ouais, si j'ai envie. Ah, il me reste plus d'avocat. Peut-être du concombre ou un truc comme ça. Bref, bah, écoute, on va voir ça tout de suite. Coucou, je vous reprends. Il est 14h30, un truc comme ça, des œufs en nourris. Je vais aller me laver. Puis après je vais essayer de me faire bone because il y a mon amour aussi qui vient ce soir et j'aimerais aussi être jolie. Je me suis maquillée ces derniers jours et il fait joli alors qu'il était pas là. Là j'aimerais être aussi en bone quand il va venir, tu vois. Et j'aimerais bien faire des ongles, soit des capsules, tu sais, pour les coller plus tard sur moi, soit carrément me les faire directement, je ne sais pas. Et je voulais vous montrer parce que je sais pas si je vous l'avais montré celui-ci du coup. Je t'avais tatoué celui-là en même temps que celui-là. Sauf que bah il va avoir besoin de retoucher, il y a des trous clairement dans les lettres, mais j'aime trop. Voilà, c'est les tatouages que Orlan m'a fait. Et c'est tout, voilà, je suis très contente, il cicatrise, il a bien cicatrisé mais c'est vrai qu'il y a des gros manques dans tout le lettrage et je sais pas si je ferais pas réépaissir un peu le cœur. Parce que je trouve que le cœur du coup il fait très fin comparé au lettrage. Je sais pas. Bref, j'allais me laver et je vais aller faire mes cheveux. Premier shampoing depuis que j'ai fait la couleur. Donc, ça risque de pas mal dégorger mais j'aurais évité que tout le noir dégorge d'un coup. Donc on va faire un shampoing, on va essayer de... faire ça assez vite pour pas non plus trop frotter trop et qu'il n'y ait plus de couleur.
Bah voilà, écoutez, je vais me laver. Et après, on va monter ensemble et on va aller se maquiller, tout ça. Let's go! Ça se voit que c'est un peu parti, ça reverdit, bleuit un peu. Mais bon, bref, c'est pas mal. J'ai fait un soin en plus. Et les gars, j'étais plus longue à vous montrer et tout parce qu'en fait, j'ai dû mettre des pansements pépeux. J'ai changé la lame de mon rasoir. Et comme je vous ai montré, ça, c'est un rasoir d'homme. Donc du coup, celle-ci, elle dépasse un peu plus. J'ai un peu trop incurvé. Trigger warning pour ceux qui n'aiment pas les blessures et tout, genre accélérer un peu. En gros, dans mon rasoir, j'ai dû enlever ma propre peau. Ça s'est coincé, genre j'avais une lamelle de peau coincée dans mon rasoir, c'était dégueulasse. Bref, ça m'a retourné un peu le bidou. Du coup, sœur, elle m'a juste aidé à mettre bien mes pansements et tout, parce que du coup, j'ai tout désinfecté. Et je me suis aussi mis un petit pansement ici en tant que drama queen, parce que j'avais deux petits points ici de sang également. Voilà, c'est tout. Du coup, là, on va aller se mettre de la musique, se maquiller, se trouver un petit outfit, tout ça. En plus, mon amoureux vient aujourd'hui, je suis trop contente. Et voilà, écoutez, je vais faire ça. Pendant que ma soeur est partie, elle a dit s'occuper de Christophe, parce qu'elle a dit c'est Christophe ma haie. Et moi, je lui ai dit, ah, je croyais que tu parlais de Jean-Luc. Jean-Luc la haie. Bref, vous avez compris, elle est partie tailler la haie. Voilà. Bah, du coup, c'est parti, je vous emmène un peu avec moi. Désolée si je vlog pas trop. En tout cas, je monte les vlogs et je trouve qu'ils sont un peu plus dynamiques. Et vu qu'il y a soeur, on fait plus de choses, c'est cool. Outfit de la flemme, j'ai juste mis cette petite robe un peu nuisette goth et petit make-up violet et noir pour aller avec. On a un petit gilet au cas où, voilà. Du coup, c'est le goûter, une petite crêpe avec de la confiture de fruits rouges, miam. Je vous reprends, on est le dimanche 12 mai. Il est 13h15, j'ai pas beaucoup vlogué ce matin, même pas du tout. En gros, j'ai été au Carrefour faire une course avec chat. Et voilà, là j'ai fait à manger aux enfants. Ils ont des petites patates en forme de tête de nounours. Et voilà. Cupcake, je vous reprends, on est le lundi 13 mai et cette semaine c'est la semaine de mai, vraiment de aujourd'hui à dimanche, il y a des anniversaires quasi toujours, il y a une seule journée où il n'y a pas d'anniversaire de gens qu'on connaît proche de nous, c'est trop marrant. Et aujourd'hui du coup on commence par la semaine par l'anniversaire de ma cousine qui est genre Millie, genre ma BFF un peu, genre c'est... Non c'est nul ça sœur. Pardon, excusez-moi, je découpais parce que ça, elle est comme ça devant la liste des choses à faire. Enfin, le 13, si on faisait dans l'ordre et tout. Trier les papiers importants. Non. Du coup, aujourd'hui, ça serait son anniversaire. Enfin, ça serait. C'est son anniversaire, elle n'est pas décédée. Hein. Et du coup, bah, j'ai envoyé un petit message, elle a déjà répondu. Ah, je suis trop contente. J'aime trop cette meuf. Vraiment, c'est genre comme une de mes meilleures potes. Et à chaque fois qu'on se voit, ça fait juste l'effet de on s'est pas vu une semaine. C'est la personne chez qui j'étais fait son anniversaire l'année dernière et tout. Et c'était trop bien. On avait dormi dans la voiture. Ouais, on a dormi dans la voiture, dans la Golf. Oh non! La prochaine fois, on le fera dans le sni. Ouais. Et là, du coup, je prends mon petit déj vraiment de manière très aléatoire. J'ai une tranche de pain confit, aux fruits confits, comme ça, du Moulin du Gros. Ce nom me termine vraiment. Et un morceau de brownie. Et faut savoir que, du coup, le pain aux fruits confits, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, c'est la maman de Jazz et Romy, donc les deux chiens que je gardais. Quand elle est revenue de ses vacances, elle a dit ah, ce matin, on est passé exprès à la boulangerie pour prendre un des pains bah, traditionnels qu'ils font là-bas, qui sont trop bons aux fruits confits maison et tout. Donc bah je vous en ai pris un. On a trouvé ça juste beaucoup trop mignon. Et on va pas se mentir, déjà le paquet était très drôle avec la tête du gros monsieur marqué le Moulin du Gros. Ça nous a fait très rire. Et le pain était excellent. Enfin le petit cake là était trop bon. Sœur, vous avez aimé vous aussi? Oui. Et chat il l'a défoncé aussi donc voilà. Donc là c'est la dernière tranche. Hier j'ai mangé en tam, comme ça j'ai gardé une tranche moelleuse pour aujourd'hui. Et regardez-moi ça.
It smells delicious. Bref, je vais manger ça avec un petit cappuccino et après on va voir ce qu'on fait. On attend le colis, aujourd'hui on devrait recevoir notre bac à douche. Enfin les gars, enfin avoir un bac à douche en un morceau. C'est fou. Et voilà, donc je suis contente. Et du coup je vais peut-être chez Chat ce soir. Déjà, mais tu l'as vu tout à l'heure. Oui, je l'ai vu, il est parti ce matin. Mais donc ça, je le retrouve ce soir. Intelligente la meuf. Hein. Bref, je vous emmène avec moi, je vous montre ma petite journée, c'est parti. Je vous reprends. Il est 11h30 à peu près, enfin, un peu moins parce que du coup Paul va chercher les enfants, donc je sais qu'il est dans les 11h15, 11h20. Et là on est avec sœur et on va trier le linge de maison. En fait on l'avait déjà pré-trié, on replie surtout un peu, enfin quand je dis on, je dis elle. Il va avoir la tête et puis on l'a pas acheté. Tu l'as acheté? J'ai dit que j'allais le recousoir. Donc je disais, on va recoudre le linge de maison. Ah c'est trop cool de filmer là avec les escaliers. Non on va pas recoudre, on va ranger le linge de maison et le replier, pardon. Je suis fatiguée, ok? Je suis fatiguée, je l'aime plus. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire d'autre. Voilà. Parce qu'on attend toujours notre colis en fait. Donc on fait ça et après on fera les courses, ça va être le moment le plus fun. Dépenser le peu d'argent qu'on a. Pour acheter de la vodka. Chat, chat. Voilà. Ah ouais, mais l'anniversaire arrive, les gars. On fait mon anniversaire vendredi. Non, samedi, du coup. Fatiguée. J'ai réussi à le plier. Regardez sa fierté, là. Monte-le un peu. Un petit peu plus haut, vas-y, plus haut. Parfait. Maintenant, tu peux dire que t'es libéré, délivré. Libéré. Délivré. C'est bon. Quand t'as la même addiction avec ta sœur. Je crois que. Et du coup. Hop, on enlève la truc. Pardon. On enlève la couette moche. Voilà, du coup, j'avais dit, j'ai rangé mes sacs à main. J'ai mes chaussures aussi. Ça serait bien aussi que je passe le temps de les dépoussiérer toutes là. Parce que bah, c'est marqué sur la liste. Les chaussures? Ouais, nettoyer et ranger les chaussures. Moi, je fais les miennes, tu feras les tiennes. Ça va, j'en ai pas beaucoup. Et là, du coup, on a rangé le linge de maison. J'adore cette pièce en fait. J'adore le fait que c'est coloré. Ouais. Le but, ça serait de peindre les murs. On sait pas encore de quelle couleur. Mais après, ce qui serait cool, ce serait vraiment qu'on fasse ça sur les murs. Genre des cœurs, des bulles, des ronds. Chacun va dessiner mieux que dans le couloir, mais on pourrait faire ça. Ah, on dit que c'est moi qui rote. Vous aussi, hein, gros peur. Hein, Pumba? Eh, vous savez quoi? On va Disney Plus et on avait mis des petits personnages aux gens. Et on a fait un compte pour chat. On a marqué chat et on lui avait mis Timon. Il a dit pourquoi je suis Timon? Du coup, à la place, on a mis Ralph des Simpsons. Mieux. Désolée, mais on est trop belle. On n'est pas maquillée, enfin moi non, mais elle oui. Mais regardez. Attendez. Oh oui, je suis en train de me curer le pif. On est assortis. C'est parce qu'on cherche un sugar daddy. Non, c'est pas vrai. Et on écoute Val dans. Ah oui, j'ai remis le CD. On écoute le V. V-A-L-D. Bré. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais envie de l'écouter. Et du coup on va faire nos courses, on se dépêche. Enfin on se dépêche. On se dépêche depuis une heure. Ouais grave. En fait on a pris notre temps. Mais j'aime trop mon outfit. Hein. Et du coup j'ai pris mon sac à main le plus mignon de la terre pour aller avec. Il est trop beau. Je l'aime trop. Ici là je mettrai une petite photo de chat et moi et là je mettrai une photo avec mon soeur aussi si je peux. Oh Fabrice. Voilà, bref, let's go. Salut Fabrice. C'est le voisin, pardon, excusez-moi. On a fait les courses, on est pauvres. Wouh. En fait, comme j'ai gardé des chiens et tout, on a pu mettre de côté pour Nigeland, mais on a également pu mettre de côté pour pouvoir acheter de quoi se mettre une grosse race à mon anniv. Ça se dit ça? Oui. Non, 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 non. Non, de quoi fêter proprement mon anniv. De quoi se souvenir? De l'anniversaire. Non, du coup, non. De quoi oublier qu'on a 29 ans. Je parle de moi. Ça, c'est des lumières. Non, en vrai, on a pris de la vodka. Vous savez, dès que vous prenez un peu d'alcool, vraiment, on a pris deux fois de la vodka. De la crème de framboise, de toute façon, on vous montrera les courses, mais du coup, ça monte assez vite le panier. Voilà, on va pas vous mentir, on en a eu pour 75 euros, comme ça. Il y a que des bonbons, des chips, de la vodka, du jus de fruits, de la limonade, tu vois, des trucs pour une fête en fait. Il y a vraiment juste des courses de soirée. Mais avec ça, on savait que cette semaine, on allait manger ce qu'il y a à la maison et qu'on allait pas reprendre de trucs et qu'on allait cette semaine prévoir juste pour la nive. Mais pour nous, c'est important parce que j'adore fêter mon anniversaire et soeur, elle aime trop que j'adore fêter mon anniversaire. Et on retourne chez Action là parce qu'on a oublié de prendre des ballons. Il y aurait été zé, on n'aurait pas oublié les ballons.
Donc là, on y va. J'ai pensé à lui, merde, il avait des ballons. On vous reprend les 15h10 avec le soeur et nous sommes au drive. Quelque chose qu'on fait très peu, on mange McDo. Quand on se fait des Happy Meal, vous avez dû déjà voir, on se fait des Happy Meal genre quand on prend la route parfois. Ou là, comme ça, petit plaisir coupable, on n'a pas mangé ce midi, on a la dalle. Petit Happy Meal rapide. T'es con. Petit Happy Meal rapide, après on rentre et on a littéralement 1h20 sans, en comptant le trajet et tout pour faire le petit retour de course. Désinfecter. Me laver. Faire quoi? Désinfecter ton piercing. Bon, faut que je me douche, que je prépare des affaires pour aller chez Chai et que j'essaie de me faire un ravalement de façade si possible. Et voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Là, je vous montre parce que j'ai déjà mis dans mon sac à main. Je me suis trouvé un petit gloss comme ça. J'ai craqué, il s'appelle Milkshake et il est rouge. Et je fais juste gloss transparent et c'est tout ce que je voulais, donc je suis très contente. Voilà. Et bien sûr. Avec ma tête de pastèque, haricots verts, tout ce que vous voulez, pas belle. Je vais dépêcher parce qu'il faut que j'aille prendre la douche. On a fait nos courses du coup, surtout pour la fête. On a pris un pack de 6 de limonade parce que du coup on va faire des cocktails avec de la limonade et de la vodka, c'est trop bon. Hop. Tu t'appelles Antoine Daniel. Et ma soeur par la fenêtre. Fais des conneries celle-là. Je vous montre ce frais en fait, parce que je suis un peu dissipée. Il y a aussi des guimauves au goût popcorn. Et elles étaient jaunes comme pom-pom puline. Et vu que mon anniversaire c'est Sanrio, on s'est dit why not. On a repris de la fausse viande du coup. On a trouvé du faux poulet comme ça, du barbecue coréen chez Noz. On a repris des nuggets dinosaures, 2 paquets bien évidemment. Des finger food, j'aurais fait finger de poulet mais bégé. Des nuggets basic, également de petits chocolats latte, comme ça frappé au régilet. Je vais ranger ça et je vous reprends pour la suite. Bon, du coup, je vous reprends pour la suite. Zut! On a donc, vu quoi faire soirée crêpes pancakes, de la chantilly, de la pâte à tartiner chocolat noisette. Ça, c'est pour Jérémy et bébé qui ne boivent pas d'alcool. De l'ice tea. Parce que toujours penser à ses amis qui ne boivent pas d'alcool. L'alcool n'est pas obligatoire pour s'amuser, on le rappelle quand même. On le rappellera le jour de l'anniversaire, mais. C'est pas obligatoire. Ouais, shot, mais c'est pas obligatoire. On a pris 3 briques comme ça, donc ça fait 6 litres de multifruits. Ça, c'est les 2 bières pour mon amour. Je vais le ramener. Je vais aller chercher à la sortie du travail. De la crème de framboise, pareil pour les cocktails. Ça, c'est un bébé vodka, c'est pour soeur et moi, toutes les deux. Et ça, c'est le papa vodka. C'est pour le... C'est pour l'anniversaire, du coup. Voilà. Pour chez Chat, là, je me suis pris des petites briochettes pour le petit-déj. Et là, après, c'est pour l'anniversaire, on a pris des donuts caramélisés comme ça. Des bonbons Happy Life, 2 paquets. Des petits anneaux comme ça, piquants. Des petites fraises comme ça. Ça, c'est juste pour servir moi à la maison avant, pour notre anniversaire que toutes les deux. On a pris saveur pastis pour goûter. Et sauce curry, on avait vu ça dans les vidéos de McFly et Carlito et on attendait qu'elles sortent, là elles sont sorties, donc on va se les goûter toutes les deux. Pour l'anniversaire, toujours j'ai pris des petites winuts, histoire d'avoir des trucs croustillants. Des petites boules à la tomate, on adore ça. Des bretzels. Des Cheetos bien évidemment. Des croque-croque à la cacahuète. Des petites frites, des petits biscuits incontournables comme ça. Ma soeur elle a dit, bah, y a des gens qui mangent de la viande principalement, c'est vrai qu'on n'est que 2 ou 3 à pas en manger. Donc elle a dit, et si on prenait du saucisson et du chorizo pour faire des petites tranches, donc on prend et du chorizo. Et pour finir avec les trucs à tartiner, on a également pris du peanuts, comme ça c'est du beurre de cacahuète là, tout crémeux, il est trop bon. Voilà, et ça n'a aucun rapport parce que pour moi, lotion de démaquillante pour les yeux, celle-là fonctionne bien, elle m'enlève tous les pigments, donc c'est cool. Et le dernier sac, prut. Ça, c'est les jeux pour les enfants. Ça, c'était le gloss. On a pris des petits melo cakes que je vais emmener là dans la voiture. Des ballons pour l'anniversaire également. De guirlandes. Des nouilles pour la semaine. Donc, 3 poulets, 3 végétales. J'ai pris ça. J'en avais pris un très clair pour quand j'avais les cheveux plus clairs pour colorer mes sourcils. Je n'ai pas essayé, mais là, je l'ai pris en noir pour voir du coup si ça fonctionne bien. Et des... C'est tout ? Oui. C'est des sauces après. Des épingles à linge. Je range ça, je vais prendre la douche et je continue de vous emmener quoi. J'aime bien.
fait frais un peu. Oui. Parce qu'on est trop healthy. Du coup, on a mangé notre ananas. On est rentré à la maison, on vous a fait le petit retour de course, tout ça, tout ça. Et là, on va là me chercher chat à son travail. Et après, je vais chez lui. Et ouais, je suis très rouge par contre. J'ai beaucoup, beaucoup de blush, surtout de ce côté. Oui. Je sais pas pourquoi, je viens de voir que là, non. Là, oui, on va essayer d'estomper un peu. Hein.